Ce qui n'empêche que la question que Marguerite voulait vous poser n'est pas caduque et nous l'écoutons. Bonjour, je m'appelle Marguerite, je suis étudiante en école de commerce. J'aimerais savoir pourquoi les ministres, les chefs d'entreprise et les sportifs arrivent à se faire tester et pas nous. Merci. Et oui, question franche et directe, Édouard Philippe. Que répondez-vous à Marguerite? La règle que nous avons fixée est une règle qui consiste à ce que nous ne testions que ceux qui, c'est la règle qui prévaut en phase 3, que les soignants, lorsqu'ils présentent des symptômes, les premiers cas dans un EHPAD, les malades lorsqu'ils arrivent à l'hôpital avec des symptômes pour vérifier s'ils sont bien porteurs ou non du virus, c'est la règle qui doit s'appliquer à tout le monde. Il peut arriver que certains, parce qu'ils sont en contact très rapproché avec des gens dont il est avéré qu'ils sont porteurs du virus, puissent être testés. Et la règle, telle que je viens de la dire, est la règle qui prévaut et qui a prévalu jusqu'à présent. Elle est en train de changer puisque c'est un des éléments de la réponse à la question que vous posiez sur les EHPAD. Nous voulons faire en sorte que dans les EHPAD, parce que les personnes sont plus fragiles, parce que les soignants ont un rôle particulier, il puisse y avoir des tests plus systématiques et plus nombreux de façon à apporter des réponses dans des établissements dont on sait qu'ils sont particulièrement fragiles face au virus. Merci d'avoir répondu directement à Marguerite. Je voulais...